Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de ProGeek. Alors aujourd'hui, ce sera par rapport à une application que je vous présente concernant les applications smartphone. Donc c'est une application qui s'appelle Gesture Dial. Donc ça vous permet d'effectuer des appels ou de composer vos appels d'une manière plus facile et simple et rapide en faisant tout simplement un geste sur votre clavier téléphonique. Donc c'est une application qui est sortie au mois de juin. Donc elle est toute récente. On y accède. Vous remarquez que l'application, il a le même principe, on va dire, que l'application qui est par défaut sur notre téléphone. Donc un clavier pour pouvoir numéroter les contacts qu'on a déjà contactés. Voilà, donc non. Alors. Donc, sur le côté gauche, vous appelez, ça vous donne les contacts en question. Et bien sûr, sur le côté droit, vous avez en fait les thèmes que vous pouvez bien sûr mettre. Ou également, comme j'ai mis actuellement, voilà, vous remarquez, j'ai mis une image, on va dire, d'arrière-plan au niveau du clavier, que vous pouvez mettre, bien sûr, soit en prenant une photo avec votre caméra, soit celle, la frontale ou celle derrière. Sinon, vous pouvez en fait prendre une photo que vous avez déjà, on va dire, au niveau de votre galerie, que vous pouvez déposer également à la place. Donc, c'est une application vraiment simple d'utilisation. Et le plus avantageux au niveau de cette application, c'est la technologie ou l'intelligence, je dirais, la T9, qui vous permet de lancer les recherches plus facilement en faisant tout simplement un geste. Donc c'est une application également qui est ou qui importe, mis à part vos contacts téléphoniques, les contacts de vos autres applications, genre WhatsApp et autres. Vous pouvez bien sûr vérifier avec le petit bonhomme tout en haut à droite à côté de la loupe et en partant sur la partie contact setting. Donc vous aurez tous vos comptes qui sont au niveau de votre smartphone et vous pouvez sélectionner ceux que vous souhaitez que l'application puisse prendre en charge dans votre liste de contacts. Vous avez bien sûr également la partie gesture dial qui vous permet de trouver les personnes que vous avez déjà configurées. Et vous pouvez bien sûr également ajouter une nouvelle directement comme cela. Ou éditer bien sûr les contacts que vous avez sur place. Également, vous avez font size qui vous permet de sélectionner le format en question. Sinon, mis à part cela, voilà, donc vous remarquez que l'application, comme je disais, elle est bien sortie le 21 juin 2016. Donc c'est une application toute récente qui est d'ailleurs disponible sur Android, iOS et également sur Amazon Kindle. Donc l'application en question, par exemple, si on fait je sais pas, un R, hein, voilà, donc là ça lance directement l'appel en question. Vous voyez, donc parce que j'ai paramétré ce contact avec un R. Si je fais un N, voilà, ça lance bien le. Voilà, ça lance bien en fait l'appel en fait en question. Il n'y a pas de souci sur ce point. Bien sûr, si vous avez ou vous avez un contact que vous souhaitez paramétrer, il suffit d'accéder bien sûr à ce contact. Vous appuyez sur gesture. Par exemple, là, voilà, donc je l'ai déjà mis, mais si vous appuyez, ça vous donne, voilà, donc ce que vous pouvez écrire et vous faites save. Donc ça enregistre tout simplement la personne en question. Voilà, donc c'est tout à fait simple et voilà, donc j'espère que ça va vous être utile. C'est surtout pour ceux qui aimeraient pas, on va dire, commencer à appuyer sur des numéros, un seul mouvement et voilà, donc l'appel est parti. C'est vraiment pratique, je dirais, au niveau de l'utilisation. Eh bien, j'espère que ça va vous être utile. Surtout, n'hésitez pas de laisser votre avis. Et sur ce, portez-vous bien. Une agréable journée.